Bonsoir madame. C'est combien les Cineballs? Alors les Cineballs ils sont à déjà 1,50€, j'ai à 2€ et puis ceux-là ils sont à 2,50€. Je voudrais 2 pour 2€. Bonjour, aujourd'hui je porte les couleurs du FIFAC pour vous présenter la troisième journée du Festival international du film documentaire Amazonie-Caraïbes. Aujourd'hui, nous sommes au point de couleur à quelques mètres du camp de la transportation où se déroule toute la semaine le festival. Et pour en savoir un peu plus sur le festival, je vous propose de regarder un reportage sur les 10 ans de Doc Amazonie-Caraïbes, un reportage préparé par Farah, Nolwenn et Alain. J'ai été immédiatement touchée par son combat contre l'orpaillage, son profond désir de sauver son peuple de la pollution et aussi son inquiétude face aux traditions Wayana qui disparaissent peu à peu. Comme chaque année, les participants de la résidence d'écriture Doc Amazonie Caraïbes doivent se prêter au redoutable exercice du pitch. 7 minutes pour convaincre producteurs et diffuseurs de les soutenir dans leur projet de film documentaire. Mais il n'est pas qu'à casser. Le roseau se plie, mais ne se casse pas. Pep Roseau, c'est une immersion dans mon intimité familiale. On n'a aucune expérience dans le cinéma, c'est pas grave en fait. Ce qui est important, c'est venir avec une idée, avec une envie de raconter une histoire. Un dispositif mis en place il y a 10 ans qui a pour objectif l'émergence des futurs réalisateurs du territoire. J'avais l'impression de voir toujours le même film sur la Guyane et ce n'était pas du tout représentatif des questionnements des territoires, qu'ils soient antillais, amazoniens, dans lequel on vit aujourd'hui. Et donc ce programme permet, de résidence d'écriture documentaire, permet de faire émerger des regards de nos territoires. Et ça fonctionne, c'est le cas pour cette équipe qui présente leur projet. Une histoire qui a commencé à Talwen, en territoire Wayana, lors d'un atelier proposé par le Pôle Images Maroni en juillet 2023. J'avais en moi un vouloir de faire beaucoup de films documentaires de ma communauté. Donc, elle m'a proposé de faire avec elle. C'est ainsi que nous avons sympathisé, que nous sommes devenus amis. Et on a, une fois que je suis rentrée à Paris, on a gardé contact. Et on s'envoyait des photos, on a communiqué et on s'est dit pourquoi pas faire un film ensemble. C'est une première cette année, car parmi les 14 présentations, deux projets d'Amérique centrale ont été sélectionnés. La historia gira en mi barrio, Chamelecón, que es un barrio bastante peligroso de Honduras, y donde vive mi madre y donde está toda mi familia. Y mi madre es una predicadora evangélica. Entonces con esta película además es un ejercicio de acercarme a ella. Cada vez que nosotros salimos a representar a nuestro país es un orgullo y además tener el nivel de ser seleccionadas, probar nuestra historia con otra cultura. En 10 ans, Doc Amazonie Caraïbes aura permis a pas moins de 26 documentaires de voir le jour. De retour au camp de la transportation, c'est l'heure de la rubrique « Un jour, un métier » de Marc Barra, producteur de films. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors moi je suis Marc Barra, je suis réalisateur et producteur. Et j'ai une société qui s'appelle Canopé Films. Quel est le rôle d'un producteur? Alors le producteur, c'est quelqu'un qui va, donc en documentaire, il y a documentaire, il y a fiction. En documentaire, il va accompagner un auteur, un réalisateur, pour déjà à la base développer son projet, donc lui permettre d'aboutir à l'écriture. Donc c'est un accompagnement, on va dire, artistique d'abord. Et après, il va accompagner, son rôle est de trouver l'argent, le financement du film. Donc trouver un diffuseur, donc une télévision, trouver d'autres fonds privés ou institutionnels. Et après, quand une fois qu'il a l'argent, c'est engager l'équipe avec le réalisateur et l'auteur, engager une équipe pour pouvoir faire le film. Et après, suivre toute la post-production du film, le montage, et ce qu'on appelle avoir
une garantie de bonne fin du film. C'est-à-dire qu'il s'engage à ce que le film soit terminé pour le diffuseur et livrer le film au diffuseur pour la diffusion. Voilà, donc c'est un travail à la fois artistique, mais aussi après beaucoup administratif et financier, puisqu'il trouve l'argent pour faire le film, pour payer les gens. Vous pouvez faire des études en faculté. Vous pouvez aussi, c'est un métier qui peut s'apprendre sur le terrain, en étant assistant de production d'un producteur. Ben, vous apprenez le travail avec lui. Après, il y a des formations, ce qu'on appelle des formations qualifiantes, de directeur de production. Le directeur de production, c'est celui qui gère le devis, qui gère l'argent, qui paye les gens directement. Donc, en étant directeur de production, après aussi, vous pouvez devenir producteur. Donc, il y a plusieurs façons d'y arriver. Il y a des grands stages, il y a des écoles, il y a des grands stages, des formations longues qu'on fait avec l'AFDAS. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une formation sur le terrain, c'est que vous commencez assistante de production ou secrétaire. Et dans la société, ben vous, si vous avez un patron qui délègue beaucoup et qui communique beaucoup, ben vous avez une chance qu'il peut vous apprendre son métier comme ça, en fait, voilà, en travaillant avec lui. Les difficultés, le nerf de la guerre, c'est de convaincre les financeurs, convaincre les institutions de vous financer un film. C'est ça, puisque en général, il y a plus d'offres que de demandes. Il y a plus de gens qui veulent faire des films que les financements pour les faire. Donc il y a forcément une sélection. Après, il y a aussi un travail de connaissance, de réseau. Il faut être, il faut être un peu connu, il faut essayer de connaître les gens. Donc il y a un travail de communication à faire qui n'est pas évident, qui est aussi, on peut parler aussi d'être fait pour ça ou pas. Je dirais que cet aspect humain-là, d'être dans les réseaux, c'est un peu, pour moi, c'est la partie la plus compliquée. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.